Good morgen, allez, idem les tutos aujourd'hui, le lunch matin, ramiona ben chana pigi bat ester, nissim ben aouda, aussi d'un fois, tout bat clodine train, nissim chabat masoudi betor chachol israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions ma serre à tout de perikhe Mishnah. Hey! Arba'a achim, shnaim mehem, nesuim shte achayot, ou metou anisuim la achayot. Are elu cholzot velo mitiabemot, ve mikadmu ve kansu, yotsiu. Rabbi Eliezer Omer, Mishum Bet Shamay, Yekaimu. Bet Yelel Omrim, Yotsiu. On continue à parler, cette fois-ci, dans cette Mishnah. Donc, c'est la deuxième discussion sur laquelle Rabbi Eliezer nous a dit que Bet Shamay était plus Mekel que Bet Hillel. Et ça nous rapporte un petit peu, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on avait vu dans le Perek Dalet, les machlokot entre Bet Shamay et Bet Hillel à propos du Yiboum. C'est les Mishnah, Perek Dalet, Mishnah Chet et Tet, avec maintenant un nouveau cas. En fait, il y a des petites différences entre elles. Alors, de quoi on parle cette fois-ci dans notre Mishnah? On parle de Arba'a Achim, Shnaim Mehem Nesuin Shtei Achayot. Il y a quatre frères, dont deux sont mariés à deux sœurs. On avait là-bas, ce qu'on a parlé là-bas, c'est qu'on avait trois frères. Et deux qui étaient mariés, et puis après, c'est un problème qu'il avait fait les Mahamar, il avait déjà fiancé une avant que l'autre vienne devant lui en Yiboum. Cette fois-ci, on parle qu'il y a quatre frères. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda. Et Reuven et Shimon sont mariés tous les deux à deux sœurs, Rachel et Léa, bien sûr. Et puis Reuven et Shimon décèdent en même temps. Et puis donc on a Rachel et Léa qui se retrouvent devant Lévi et devant Yehuda. Donc ces deux frères maintenant, ils ont chacun une mitzvah de Yiboum avec chacune de ces femmes, avec un problème technique. C'est que celui qui va faire le premier pas à marier une femme, il va se retrouver qu'il va se marier avec cette femme-là elle-même, elle est en théorie, elle est achot zkukato, ce que ça s'appelle. C'est-à-dire, Rachel et Léa, d'abord un cas simple. Reuven, il a une femme qui est zkuka leiboum. Il y a une femme qui est ce qu'on appelle une zkuka leiboum, c'est sa belle-sœur, de son frère qui vient de décéder alors qu'il n'avait pas de frère. Elle se retrouve devant lui et qu'elle a donc une mitzvah de yiboum à faire. Le statut de cette femme, elle est qu'elle est à moitié mariée à lui. C'est-à-dire, lui, il ne s'est jamais marié avec elle, mais puisqu'elle est ce qu'on appelle Zkuka le Yiboum, qu'elle attend qu'il lui fasse le Yiboum, elle est considérée comme un petit peu fiancée. Il y a même une Agdara, une définition un petit peu originale, c'est de la définir comme si que le frère, quand il l'a marié pour toute la famille. De ce fait, lorsqu'il y a une femme qui attend que je lui fasse le Yiboum, eh ben, elle est considérée comme un petit peu mariée. Pas vraiment, mais un petit peu. De ce fait, j'ai pas le droit de partir me marier avec sa sœur, par exemple. Parce que sa sœur, elle est considérée comme une petite erva. Ça va devenir une inceste. Pourquoi? C'est la sœur de ma femme. Même si cette femme-là, c'est ma belle-sœur, c'est pas ma femme. Mais puisqu'elle est zkuka leiboum, elle est un petit peu considérée comme ma femme. D'accord? C'est le principe général. Partant de ce principe, maintenant, lorsque les deux frères, Reuven et Shimon, décèdent en même temps, et qu'on a les deux femmes, Rachel et Léa, qui se retrouvent devant les deux autres frères, Lévi et Yehuda. Alors maintenant, Lévi et Yehuda, personne ne peut faire la mitzvah de Yiboum avec aucune. Pourquoi? Le premier qui va commencer à se marier avec la première, eh ben, il s'avère qu'il est pogea beachot zkukato. Si Lévi va vouloir se marier avec Rachel, est-ce qu'il a le droit de se marier avec Rachel, de faire la mitzvah de Yiboum? On va lui dire pas du tout, attention. Tu as une autre yevama, tu as une autre fiancée qui s'appelle Léa, la sœur, et elle est fiancée à toi, donc tu n'as pas le droit de te marier avec sa sœur. Et dès que tu vas vouloir avec Léa, hein, alors on va te dire, mais non, Rachel, elle est aussi fiancée un petit peu à toi, donc tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Donc en fait, il est bloqué. Et idem aussi avec son frère. En théorie, si simultanément, les deux réussissaient à se marier, en même temps, au même instant, alors je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais calculer un instant précis. Donc il y en aura toujours un qui commencera à s'amuser de Yiboum, et de ce fait, il n'aura pas le droit de se marier avec la première avec qui il fera, même si finalement l'autre, il va s'occuper de la deuxième sœur, mais malgré tout, il n'avait pas le droit de commencer à faire le Yiboum. D'accord? Ça, c'est le principe de notre Mishnah. Donc, on va parler maintenant de notre Mishnah, concrètement, de deux situations. La situation a priori et la situation a posteriori. C'est-à-dire, Arba Achim, quatre frères. Shnaim Mehem Nesuim Shtei Achayot. Deux d'entre eux, donc Reuven et Shimon, Nesuim Shtei Achayot. Ils sont mariés à deux sœurs, à Rachel et Léa. Metu Nesuim Shtei Achayot. Les frères mariés aux sœurs sont décédés, ils sont morts, ceux qui étaient mariés aux sœurs, donc, littéralement.
La Mishnah nous enseigne d'abord la halakha admise qu'a priori, ces deux sœurs ne pourront que faire la chalitza et non le yiboum. La divorçant lui faisant la chalitza, tu pourras le faire. Là, il n'y a aucun problème parce que je fasse la chalitza à ma belle-sœur, en fait. C'est-à-dire à la sœur de ma femme. Pourquoi? Parce que si elle se retrouve qu'elle n'est pas vraiment mariée à moi, ben malgré tout, elle attend que je lui fasse le yiboum, je peux lui faire la chalitza. Faire la chalitza. Ouais, le fameux cérémonial où elle lui retire la chaussure, elle lui crache dessus. On lui dit, parce que c'est la manière de libérer sa femme, sa belle-sœur en fait, de la libérer pour qu'elle aille se marier avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc elles pourront faire la khalitza, mais ils pourront pas faire le hiboum, parce qu'il va être ce qu'on appelle pogea be'achot skukato. C'est rapporté dans le Bar Tanoura si ça vous intéresse. Regarde, on n'a qu'à faire, on a une mishnah courte. Cholzot velo mietia bemot, elles feront la khalitza, elles feront pas le hiboum. De kevan de tarvayu skukin lehai. Ou les haï, étant donné que les deux, c'est-à-dire chacune d'entre elles, sont zkoukin, sont zkoukot, attendent qu'on lui fasse le hiboum pour celui-ci comme pour celui-ci. Kama demeyabem, paga berachot zkoukato. Le premier qui va faire la misa de hiboum, il va être pogea, il va donc rencontrer la achot zkoukato, la sœur de celle qui est zkouka. D'avier Keishto, que l'autre elle est considérée comme sa femme. C'est-à-dire, puisque maintenant il y a Rachel et Léa qui attendent que je leur fasse leur mitzvah, si je veux me marier avec Rachel, Léa elle va me dire Oh, t'as pas le droit de te marier avec ma soeur. Je vais aller me marier avec Léa, et Rachel elle va me dire t'as pas le droit de te marier avec ma soeur. De ce fait, je peux marier aucune d'entre elles. C'est le principe, fois deux. Lévi et Yehuda ne peuvent pas se marier avec elles. Ça c'était la situation a priori. Notre Mishnah maintenant va parler de la situation aussi a posteriori. Si toutefois, Lévi et Yehuda, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un problème ilchatique, les deux se sont mariés. Alors, ve'im kadmu ve'kansu, yotsiu. S'ils ont fait le premier pas, ils se sont malgré tout mariés avec elle, et bien ils devront ensuite les divorcer. Pourquoi ils devront la divorcer? Parce que chacun, il a été pogea be'achot skukato. C'est un peu plus délicat, mais en tout cas, il y a quelque chose de clair et quelque chose de pas clair en fait. D'accord, on va commencer par d'abord ce qui est évident. Le premier qui s'est marié, il s'est marié, il n'avait pas le droit de se marier avec elle, c'était une inceste. Qui via chol, entre guillemets. D'accord, c'est-à-dire, puisque, imaginez maintenant, Lévi commence à se marier avec Rachel, alors, il n'avait pas le droit de se marier avec Rachel, c'était sa belle-sœur, c'était la sœur de sa femme, puisque Léa, c'était aussi un petit peu sa sœur. De ce fait, lorsqu'il va se marier avec Rachel, eh ben, on va lui dire, Lévi, tu t'es marié avec ta belle-sœur, tu dois forcément la divorcer, tu n'avais pas le droit de te marier avec elle. Et idem aussi, si Yehuda, ensuite, s'est marié avec Léa, il avait pas le droit de se marier avec Léa, puisqu'en réalité, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, puisqu'on considère que Lévi n'avait pas le droit de se marier, donc, quelque part, cette fameuse Rachel, elle attend encore Yehuda qui lui fasse le hiboum, de ce fait, il n'aurait pas le droit de se marier avec Léa. D'accord? C'est un peu plus délicat. En tout cas, ça, c'est la vie de Tanakama. Et bien, Rabbi Eliezer vient et nous dit non, il y a une discussion. Rabbi Eliezer, Omer, Mishum, Bet Shammai, Yekaimo. Rabbi Eliezer enseigne au nom de Bet Shammai qu'on aura le droit, ils auront le droit de maintenir leurs femmes respectives. Au Bet Hillel Omrim, Yotziyu, selon Bet Hillel, ils devront effectivement, comme ce que tu enseignais dans la Reisha, les divorcer a posteriori. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse maintenant, c'est donc d'expliquer mieux Bet Shammai, et mieux que ça, ce Bet Shammai-là, il va être retenu la halakha, parce qu'en réalité, dans Yevamot, il y a là-bas un autre Tana qui inverse Bet Shammai et Bet Hillel, et qui va faire que c'est Bet Hillel qui nous dit Yekaimu, en fait. Et donc, ça va être retenu pour la halakha, le Yekaimu. Maintenant, on explique un petit peu mieux le principe qui va être retenu. Certes, Lévi n'avait pas le droit de se marier avec Rachel à cause de cette fameuse Léa qui attendait aussi, donc c'était la sœur de sa femme, de sa fiancée. Mais il s'avère que lorsque finalement Yehuda, lui aussi, il est entré en ligne de compte et qu'il s'est occupé de Léa, donc Yehuda ensuite, il est venu ensuite et il s'est marié avec Léa. Il s'avère que maintenant Léa, il a réussi à la déraciner, à faire en sorte qu'elle n'était plus Zkouka à Lévi. C'est-à-dire, certes, Lévi avait deux femmes devant lui, il avait Rachel et il avait Léa. Il n'avait pas le droit de commencer à se marier avec Rachel. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est marié avec Rachel. Et puis ensuite, Léa, elle s'est faite résoudre son problème autrement. Comme si elle s'est faite éjecter. L'interdit qui interdisait de maintenir cette fameuse Rachel s'est supprimé de lui-même à partir du moment où Yehuda il est venu, il s'est marié avec elle. Il a déraciné la Zika de Hiboum qui était devant Lévi. Et de ce fait, maintenant, les deux, a posteriori, pourront rester mariés avec ces deux femmes. Ça, c'est l'avis donc, dans notre Mishnah de Bet Shammai. Et comme ce que je vous ai dit, en réalité, ça va être l'avis même de Bet Hillel, selon un autre avis qui s'appelle Abba Shaul, qui est ramené dans Yevamot, et qui est retenu la halakha. Donc, pour la halakha, en fait,
Les deux frères pourront rester mariés avec sa femme. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.